Elizabeth Taylor, l'une des dernières étoiles d'Hollywood, est morte à 79 ans. L'actrice aux yeux violets restera la sublime Maggie de La Chatte sur un toit brûlant et l'inoubliable Cléopâtre. La star aux 8 mariages forma l'un des couples les plus volcaniques du cinéma avec l'acteur Richard Burton qu'elle épousa deux fois. Le danger nucléaire toujours pas écarté au Japon. Une nouvelle fumée noire inexpliquée s'échappe d'un réacteur à Fukushima. Les peurs de contamination alimentaire s'amplifient. À Tokyo, l'eau du robinet est polluée, les épinards, choux et brocolis interdits. Le nuage radioactif arrive en France, mais il sera inoffensif, assurent les autorités. Ça sera à des niveaux qui seront extrêmement faibles, sans conséquences pour les populations. L'OTAN n'aura qu'un rôle technique en Libye. Par la voix d'Alain Juppé, la France exclut de lui confier le pilotage politique des opérations. Ce rôle restera aux mains des pays impliqués dans l'intervention. Attentat à la bombe à Jérusalem sur fond de regains de violence. Une femme tuée, plus de 30 blessés. C'est le premier du genre dans la ville sainte depuis l'arrivée au pouvoir de Benjamin Netanyahou en 2009. Première à l'Assemblée nationale, Maxime Grémette, suspendu jusqu'en mai après un nouveau coup d'éclat. Le tonitruant député de la Somme avait perturbé une réunion de crise sur le nucléaire. Motif de sa colère, des voitures de ministres mal garées. Allez, c'est pas le sujet, asseyez-vous. Mais moi, c'est le sujet.